Abidjan, le 12 février 2014, Paul Focam, patron du réseau de banques Afriland First Bank, confirme l'implantation de sa banque en Côte d'Ivoire. Il en a donné l'assurance aujourd'hui à la primature au chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan. 628 fonctionnaires ivoiriens ont été mis en congé administratif pour fraude. Information donnée par le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique face à la presse hier. Et cet arrêt de travail des chauffeurs de véhicules poids lourds hier sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ils protestent contre le coût élevé de dépannage des véhicules par la société abidjanaise de dépannage, la SOAD, l'entreprise mise en cause d'y être victime elle-même d'arnaques de la part de certaines structures. Et puis à l'étranger, Jean-Yves Le Drian visite ce mercredi en Centrafrique. C'est la troisième fois depuis le lancement de l'opération Sangaris que le ministre de la Défense va à la rencontre des troupes françaises sur place. Il est allé à la rencontre de Catherine Samba-Panza. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Paul Kamounier Focam, patron du réseau de banque Afriland First Bank, confirme l'implantation de sa banque en Côte d'Ivoire. Il en a donné l'assurance aujourd'hui au chef du gouvernement ivoirien. Rappelons que le groupe a récemment finalisé le rachat d'Access Bank Côte d'Ivoire, consolidant ainsi sa présence sur le marché ouest-africain. Hugues Veblé. L'information a été portée officiellement au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au cours de cette audience. Access Bank Côte d'Ivoire n'existe plus. L'institution a été rachetée par Afriland First Group. Paul Mafurikana, le président de Afriland First Group, était chez le Premier ministre pour marquer la reconnaissance de l'acquéreur de Access Bank Côte d'Ivoire aux autorités ivoiriennes. La raison. Ce n'est pas ma première visite, c'est la deuxième visite. Et la première visite, je venais de présenter notre projet. Aujourd'hui, le projet devient une réalité. Je suis venu pour témoigner de la reconnaissance de notre groupe sur la réactivité de la Côte d'Ivoire, sur l'accélération des activités économiques en Côte d'Ivoire. Afriland First Group a désormais installé en Côte d'Ivoire est l'une des principales banques de l'Afrique centrale. Elle compte des succursales dans une dizaine de pays. 1500 milliards de francs CFA, c'est le montant des opportunités d'investissement que veut réaliser le groupe Yildirim avec son partenaire ivoirien Snedai Group. Hier, après avoir rencontré les départements techniques, le président-directeur général du groupe Yildirim, Robert Yuxel Yildirim, conduit par le président-directeur général du groupe Snedai, Adama Big Togo, est allé notifier au chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, sa ferme intention de participer au renouveau de la vitalité économique de la Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Le port, les mines, le logement, le transport, la production d'engrais, voilà entre autres les secteurs dans lesquels veut investir le groupe turc Yildirim. C'est le message qu'est venu porter Yuxel Yildirim, le PDG du groupe, au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. We are a Turkish company, Yildirim Group. Il vient donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour la première fois, et devant l'économie dynamique de la Côte d'Ivoire, il peut donc dire qu'aujourd'hui, non seulement il va installer le siège régional à Abidjan dans les mois qui suivent, mais d'ores et déjà, il a donc créé une nouvelle société pour mettre en place 45 bateaux pouvant donc assurer le transport lagunaire des passagers. Deuxième chose, en ce qui concerne les ports, il ira donc demain à San Pedro pour montrer son engagement et qu'il serait donc prêt à s'engager pour donc l'agrandissement du port de San Pedro et participer à la création de la zone industrielle. Aussi, à San Pedro, il ferait une proposition de la construction d'une centrale à charbon pouvant donc permettre de bénéficier d'environ 600 MW d'énergie. Des projets qui seront réalisés dès la fin des discussions avec le gouvernement. Le groupe Yildirim est une entreprise familiale représentée dans 4 continents et 15 pays avec un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de francs CFA. D'autres images de Paul Kamounier Focam, le patron du réseau de banque Afriland First Bank. Après, le chef du gouvernement avec qui il a échangé, Paul Kamounier Focam a aussi été reçu
par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Rentré fraîchement de Paru, il a rencontré le président Ouattara. Le patron du réseau de banque Afriland First Bank était accompagné de Guim Beng, administrateur directeur général de l'APEXI, l'agence de promotion des exportations de Côte d'Ivoire. Le langage est le même, la confirmation de l'implantation de la banque en Côte d'Ivoire. Ce n'est donc plus qu'une question de temps, surtout que le groupe a récemment finalisé le rachat d'Access Bank Côte d'Ivoire pour ainsi consolider sa présence sur le marché ouest-africain. Autre sujet, 628 fonctionnaires ivoiriens ont été mis en congé administratif pour fraude. Information donnée par le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique face à la presse ce mardi, Laetitia Manglet. 759 personnes ayant intégré la fonction publique entre 2002 et 2012 menacées d'expulsion. C'est ce qui ressort d'une opération d'authentification des arrêtés d'admission aux différents concours d'entrée à la fonction publique menés par le ministère de tutelle. Sur les 759 personnes convoquées à justifier leur situation administrative, seules 139 personnes ont formulé des réclamations. Le traitement de ces réclamations a donné les résultats suivants. 89 personnes ont pu apporter la preuve de la régularité de leur présence dans le fichier de la fonction publique. Elles ont donc été confirmées dans leur statut de fonctionnaire. 50 réclamations ont été jugées irrécevables au regard des pièces fournies. Enfin, 620 personnes n'ont pu formuler de réclamations. Et pour permettre à ces personnes de justifier leur entrée régulière à la fonction publique, une vaste campagne de communication a été effectuée, 4 mois durant, au travers des médias. Au terme de cette deuxième opération, qui a porté sur un total de 670 personnes, c'est-à-dire les 620 plus les 50 cas jugés irrécevables, 42 personnes ont été rétablies dans leurs droits après avoir justifié leur statut de fonctionnaire. Les 628 personnes restantes n'ont pu répondre à l'appel. Il est à noter que sur les 628 personnes, 61 d'entre elles perçoivent déjà un salaire. Les contrôles effectués au sein des différents services de tous les ministères montrent qu'il y a eu manipulation frauduleuse des arrêtés, tentative de fraude sur la promotion de certains fonctionnaires, falsification des arrêtés de nomination, entre autres. En attendant que les responsabilités soient situées au niveau des instances dirigeantes, le ministère de la fonction publique a procédé à plusieurs actions, notamment la saisine du procureur de la République et la mise sous contrôle du salaire des fonctionnaires déjà en solde. L'ONG Search for Common Ground, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis, initie un atelier de formation des leaders politiques. Elle porte sur l'implication des dirigeants politiques dans le renforcement de la cohésion sociale dans le pays. La formation est une composante du projet Avançons Ensemble, initiative d'appui à la réconciliation nationale entre les Ivoiriens. Franck Audio. L'influence de l'élite politique sur les populations participe souvent à la détérioration du climat social, alors qu'elle pourrait être un levier pour le changement positif de la société. Fort de ce constat, l'ONG Search for Common Ground, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, initie un atelier de réflexion sur le rôle des leaders politiques dans le renforcement de la cohésion sociale. J'ai engagé des discussions franches avec différents leaders sociaux, économiques et politiques sur les principales questions qui se posent en Côte d'Ivoire. Les progrès qui ont été accomplis depuis la fin de la crise post-électorale sont remarquables. À la cérémonie d'ouverture, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a appelé les leaders politiques à plus d'engagement en faveur de la paix. Au moment où la Côte d'Ivoire traverse une phase déterminante de son histoire, il est de la responsabilité des leaders politiques de favoriser l'éclosion de nouveaux citoyens, imprégnés des valeurs indispensables au développement et de paix durable. Cette formation vise à accroître la participation de la classe politique dans la promotion de la cohésion sociale à travers des actions concrètes. Nous avons des partis différents. C'est-à-dire que nous n'avons pas la même façon de penser. Comment on peut utiliser nos différences pour aller vers des objectifs communs? Je suis très satisfait des discussions qui ont
qui ont eu lieu après les présentations, qui ont bien montré que nous avons encore du chemin à faire dans la recherche des causes et des méthodes d'absorption des crises en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Pour la crise ivoirienne, il faut engager un véritable dialogue avec les tenants du pouvoir pour trouver les vraies solutions. Une fois que nous aurons trouvé les vraies solutions, les leaders politiques seront prêts à aller sur le terrain pour expliquer. Amener les leaders politiques à s'approprier les méthodes et techniques de gestion du conflit s'inscrit dans le cadre du projet Avançons Ensemble de Search for Common Ground. Dans l'actualité politique, la suite de la tournée de remobilisation de sa base engagée par la direction du Rassemblement des Républicains. Après Sakassou, Amadou Soumaoro et son équipe se sont rendus à Thiébissou. Un nouveau secrétaire départemental par intérim y a été nommé. La mission que lui a confiée Amadou Soumaoro, la mobilisation des militants en vue de la prochaine présidentielle à Boussanogo. Kouadio Kwame David est désormais le nouveau secrétaire départemental par intérim du Rassemblement des Républicains de la région de Thiébissou. Il remplace à ce poste Bamba Lansini. Kouadio Kwame David a été installé par le secrétaire général du Rassemblement des Républicains Amadou Soumaoro au foyer municipal de Thiébissou en présence d'une foule nombreuse composée de militants, de secrétaires de section et de représentants des structures spécialisées du parti. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la remobilisation des militants et de la réorganisation des instances du parti. L'objectif étant d'assurer une victoire éclatante du président de la République à la présidentielle de 2015. La mission qui a été donnée à ses responsables, c'est 2015. La réélection du président de la République avec une majorité écrasante. Et il est question pour nous, à partir de maintenant, de remobiliser le parti, de remettre le parti en ordre de bataille pour qu'on accompagne encore le chef de l'État l'année prochaine et qu'il soit réélu avec naturellement un consensus large et écrasant des Ivoiriens. Kouadio Kwame David et le secrétaire départemental sortant ont promis œuvrer pour la cohésion et l'harmonie au sein du Rassemblement des Républicains à Thiébissou. Prêt pour la mobilisation de tous les militants pour la réélection du chef de l'État en 2015. Pour ce grand département, on n'a que 18 secrétaires de section, ce n'est pas normal. Le parti va démarrer et le président peut compter sur Thiébissou pour 2015. On est toujours sur la bonne voie. Il faut croire à ça. Je vais continuer toujours à travailler avec lui. Amadou Soumaoro conduisait une forte délégation de son parti composée d'élus, de secrétaires départementaux et de cadres du parti. Une autre tournée, toujours en politique, celle de Léopoldine Kofi, déléguée départementale du PDCI à Daloa. Elle s'est rendue dans plusieurs localités du département, les maître à mots de son message aux populations, la cohésion sociale et le redynamisme du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans la région. Thérèse Tapeyoué. Ce sont des populations enthousiastes qui ont accueilli la déléguée départementale du PDCI-RDA en visite dans plusieurs localités du département de Daloa. Si vous êtes dans un parti politique, mais ne soyez pas des porteurs de sacoche. Et il faut être à l'endroit où on prend les décisions pour m'informer et puis venir dire la vérité. Pour cette première prise de contact avec les militants de son parti, Léopoldine Kofi a porté partout des messages de paix, de cohésion sociale et de pardon. Elle a demandé à tous de tourner le dos au mépris, de désarmer les cœurs et de ne voir que la réalité du terrain et l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Gadouan, Bédiala, Bogué, Zaïbo, Boboa Bawan, Beditapia, Gonaté ont été les localités visitées par Léopoldine Kofi. Dans ces différentes localités, les secrétaires généraux des sections ainsi que les populations ont rassuré la déléguée départementale du PDCI de leur adhésion à son message de réconciliation pour un renouveau de la région. Retour à Abidjan avec la tenue dans la capitale économique ivoirienne d'une session des travaux du Comité africain international des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAC. La rencontre de 48 heures se tient à Marcory et prend fin demain. Dans la ligne de mire, la promotion des droits des créateurs et une protection juridique du droit d'auteur. Patricia Omouetia. Séance de travail, échange, le bureau exécutif du Comité africain de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs est à l'œuvre. L'objectif est d'œuvrer en faveur d'une reconnaissance et d'une protection accrue des droits des créateurs.
Présent dans plus de 120 pays, l'expérience algérienne est plutôt une réussite en ce qui concerne les copies privées. Une fois que des copies sont effectuées, les revenus des auteurs, des artistes, interprètes et des producteurs diminuent et diminuent d'année en année. Et c'est pour ça que les législateurs un peu partout dans le monde reconnaissent aujourd'hui un régime de rémunération pour copies privées. En Côte d'Ivoire, beaucoup reste à faire. Malgré les efforts du Burida, indique le directeur régional. Le rôle du Burida quotidiennement, c'est de faire en sorte que les œuvres qui sont exploitées donnent lieu au paiement de redevances de droits d'auteur. Le Burida va identifier les utilisateurs, va négocier la signature des contrats, va percevoir les droits pour l'exploitation. Tout cela participe de la lutte contre la piraterie. La Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs, CISAG, représente plus de 2 millions de créateurs et couvre l'ensemble des répertoires artistiques tels que la musique, les œuvres audiovisuelles et les arts dramatiques. Et cet arrêt de travail des chauffeurs de véhicules poids lourds hier sur l'ensemble du territoire ivoirien, ils protestent contre le coût élevé de dépannage des véhicules par la société abidjanaise de dépannage, la SOAD, indexée, l'entreprise mise en cause d'y être victime elle-même d'arnaques de la part de certaines structures au terme de négociations. Ces chauffeurs, réunis au sein de l'Union des fédérations des chauffeurs de véhicules poids lourds, ont appelé à la reprise de leurs activités ce mercredi. Le compte-rendu de Grace Kando. Près de 800 véhicules poids lourds assurant le trafic de marchandises entre la Côte d'Ivoire et les pays frontaliers ont cessé toute activité ce mardi 11 février. Les chauffeurs s'insurgent contre le coût élevé des frais de dépannage infligés par la SOAD, Société abidjanaise de dépannage. La SOAD, vraiment trop, c'est trop. Même aujourd'hui, tu gars sur l'autoroute pour pisser, tout d'un coup, les gars viennent pour remorquer ton camion. Et puis prendre, il s'en va avec ça dans les bases. Si tu n'as rien payé qu'à 100 000 francs. Nous, on ne veut pas ça. Mise en cause, la SOAD rejette ces accusations. Elle dénonce plutôt l'attitude de certaines structures se disant sous sa tutelle. Je m'inscris totalement en faux. Il y a des entreprises qui sont présentes dans le district d'Abidjan qui se font passer pour la SOAD, qui tendent des factures à des tiers. La SOAD n'a pas connaissance de mésintelligence entre elle et les gens du monde du transport. On leur a tendu des factures. Alors, si on estime que c'est illégal, qu'il faut saisir les autorités compétentes, moi, je reste dans mes attributions à procéder au désengorgement des voies par le remorquage des véhicules accidentés, immobilisés. Donc, si mon entreprise émet des factures qui paraissent exorbitantes, ben, celui à qui on a émis la facture vient avec le document et on lui explique le détail, la structure de cette facturation. Suite à des négociations, une solution a donc été trouvée. L'Union des chauffeurs de véhicules poids lourds a appelé tous les chauffeurs à reprendre leurs activités ce mercredi. L'État ivoirien entend maîtriser l'organisation de l'espace urbain. Une procédure de sécurisation des droits fonciers vient d'être lancée. L'opération dénommée « Redressement des lotissements irréguliers » s'étendra à tout le district d'Abidjan. Mise en œuvre par le ministère de la Construction et conduite par des géomètres experts agréés, ce projet a été présenté aux populations de Sangon et Yopougon. L'éclairage d'Abou Sanogo. Sur une soixantaine de lotissements initiés ces dernières années dans la sous-préfecture de Sangon, plus de 50 ne sont pas approuvés. Ces données collectées par le groupement de géomètres experts commis par le ministère de la Construction pour l'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan constituent en partie le motif de cette rencontre de sensibilisation à la sous-préfecture de la dite localité. Sous la houlette du nouveau sous-préfet Kone Kinan Christel, en présence du maire et du député, toute la notabilité, les cadres et les professionnels du secteur ont été instruits par le directeur de la topographie et de la cartographie du ministère sur le bien fondé de cette opération. Au cours du traitement des dossiers de la CD, il a été donné de constater que certains dossiers ont fait l'objet de rejet. Parce que les passages concernés sont issus des lotissements non approuvés. Ainsi que M. le ministre, ainsi que ses services, a le fait d'accélérer toutes les procédures pour la réglementation de ces lotissements non approuvés. Dans cette optique, les opérateurs commis au redressement des lotissements non approuvés ont lancé un appel. On exhorte toujours la population à venir toujours déposer les documents qu'ils ont à leur possession, à savoir les plans qu'ils ont physiques ou les fichiers numériques, tout ce qu'ils ont comme documentation sur un lotissement où il y a eu des bornes
qui est loti et il n'y a pas de plan. Et c'est pas approuvé. Une initiative qui gagne l'assentiment de la communauté. Au nom de la chefferie traditionnelle, je prends l'engagement de dire que nous soutenons, n'est-ce pas, sans réserve, cette initiative-là. L'opération de redressement des lotissements irréguliers dans le district d'Abidjan vise la régularisation des lotissements non approuvés, répertoriés et corrigés, la délivrance des attestations de concession définitive aux acquéreurs de l'eau et l'augmentation des recettes de l'État à travers l'impôt foncier et les frais domaniaux. Toutes ces précisions ont été également données à la population de Yopougon qui a été sensibilisée sur cette opération. La nouvelle ère qui a soufflé l'Afrique australe en début de la décennie 1990 est le résultat d'un accord quadripartite de paix signé le 22 décembre 1988 à New York. Mais avant, il a été précédé par le protocole de Brazzaville, étape déterminante même. Le 13 décembre de la même année, de nombreuses personnalités ont assisté hier aux manifestations marquant le 25e anniversaire de ce protocole, dont le chef du Parlement ivoirien Guillaume Soro. Des célébrations organisées en différé en raison du décès de Nelson Mandela. La correspondance de notre envoyé spécial à Brazzaville, Michel Dicré. Le 13 décembre 1988, sous la médiation du président congolais Denis Sassou Nguesso, cubains, angolais et sud-africains signaient le protocole de Brazzaville. Des négociations qui ont permis de ramener la paix en Afrique australe avec l'indépendance de la Namibie, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990. Ce 11 février 2014, la République du Congo et la communauté internationale se souviennent de la médiation de Denis Sassou Nguesso. Parmi les invités, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis d'autant plus content d'être ici parce que c'est un pan de l'histoire de notre continent, de l'Afrique quelquefois méconnue, qui a été mis au grand jour. Et ce qui nous a frappé là-dedans, c'est la grande capacité des leaders africains à se réapproprier le combat, la lutte, n'est-ce pas ? Pour l'indépendance des pays de l'Afrique australe, mais aussi pour la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Pour Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui comme hier, l'Afrique a plus que besoin de paix pour son développement. L'Afrique, nous le savons tous, est au centre de toutes les attentions. Elle est au centre de toutes les convoitises. Sa croissance économique, sa jeunesse créative et si prometteuse, sa culture millénaire font de notre continent une nouvelle puissance émergente. Mais pour que cela soit durable, il faut une volonté politique forte et surtout, condition sine qua non, il faut la paix. Quatre chefs d'État, plusieurs ministres et présidents d'institutions d'Afrique et d'Europe, des prix Nobel de la paix, ont pris part à cette célébration. En bref, à l'étranger toujours, Jean-Yves Le Drian en visite ce mercredi en Centrafrique. C'est la troisième fois depuis le lancement de l'opération Sangaris que le ministre de la Défense va à la rencontre des troupes françaises sur place au programme de cette tournée africaine. Une rencontre avec la nouvelle présidente centrafricaine, Catherine Samba-Panza. Et la situation humanitaire en Centrafrique toujours aussi difficile. Les produits de première nécessité se font de plus en plus rares à Bangui. Reportage. Les marchés de Bangui dépriment. Sur les étals, les produits de base se font rares, leurs prix s'envolent. Plus 20% pour le manioc et l'arachide en 2 mois. La plupart des commerçants grossistes affuient la capitale centrafricaine en proie aux violences. On vit actuellement dans une situation de guerre, donc tout est cher, tout est bloqué, il n'y a pas des activités. Et les véhicules qui nous viennent du Cameroun, les éleveurs qui amènent les bœufs, tout ça là, il n'y a plus rien. Donc on est obligé de supporter cette situation comme ça. L'insécurité persistante du pays inquiète fortement les ONG sur place. Elles craignent une catastrophe économique.
Ce qui va se passer, c'est que si la population n'est pas mieux protégée, un nombre croissant d'habitants, de commerçants, d'éleveurs vont fuir le pays. Conséquence, les prix vont monter, il sera encore plus difficile de trouver à manger et les gens n'arriveront plus à nourrir leurs familles. Les ménagères s'angoissent. Déjà aujourd'hui, elles arrivent à peine à fournir un repas quotidien. Très très inquiète. Si cette pénurie, ça persiste encore, nous n'aurons rien sur le marché et il y aura beaucoup de encore ceux qui vont mourir, il y aura beaucoup de meurtres. Et pour ne rien arranger, la saison agricole s'annonce, mais les paysans n'ont plus rien à semer, selon les Nations Unies. Le programme alimentaire mondial vient de déclencher un pont aérien depuis le Cameroun pour acheminer des vivres en urgence. Le reste de l'actualité internationale en bref et en images. Tout d'abord, l'Algérie où a eu lieu un crash d'avion. Le bilan est lourd. Regardez. Catastrophe aérienne dans l'est de l'Algérie. Le crash d'un avion militaire a fait 77 morts lundi, dont 4 femmes et 4 hommes d'équipage. Un survivant souffrant d'un traumatisme crânien a été découvert par la protection civile. L'avion ramenait des militaires et leurs familles de Tamanrasset à Constantine. L'appareil, un Hercule C-130, s'est écrasé alors qu'il survolait le mont Fortas. Les mauvaises conditions météo seraient à l'origine de l'accident. Un deuil national de 3 jours a été décrété. La police sud-africaine a dispersé à coups de gaz lacrymogène une manifestation de militants de l'ANC venus affronter des membres d'un parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui défilait mercredi dans le centre de Johannesburg. Les policiers sont intervenus pour tenir à distance les deux organisations rivales qui s'affronteront pour les élections générales du 7 mai prochain. Des milliers de partisans de l'Alliance démocratique, principale formation de l'opposition, entendaient protester contre l'aggravation du chômage. L'Éthiopie a appelé lundi au retrait des troupes étrangères du Soudan du Sud, affirmant que le conflit risquait de dégénérer en guerre régionale. Le premier ministre éthiopien, Hélé Mariam Desalegn, visait avant tout les forces ougandaises qui interviennent aux côtés du président Salva Kiir. Le Soudan du Sud est le théâtre de combats meurtriers qui opposent depuis le 15 décembre les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar et les forces restées loyales au président Salva Kiir. S'exprimant devant les médias, Barack Obama et François Hollande ont réaffirmé l'existence de l'alliance unissant leurs deux pays. La conférence conjointe des deux présidents, qui a eu lieu hier après-midi à la Maison-Blanche lors du deuxième jour de cette visite officielle du chef de l'État français aux États-Unis, s'est déroulée dans une bonne ambiance. Elle a duré plus d'une heure, plus longtemps que prévu. La deuxième journée de la visite d'État du président français aux États-Unis a été dominée par les deux heures d'entretien dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Sur les deux grands dossiers géopolitiques du moment, l'Iran et la Syrie, les deux hommes qui s'appellent désormais François et Barack ont affiché une complète identité de vue. Le président Hollande et moi-même sommes d'accord qu'il faut maintenir les sanctions existantes, même si nous croyons que de nouvelles sanctions pendant les négociations mettraient en danger la possibilité d'une solution diplomatique. Et nous restons absolument unis sur notre but ultime, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. De son côté, François Hollande a clairement passé l'éponge sur la volte-face américaine au moment où une frappe contre l'armement chimique syrien était imminente. Nous étions prêts à recourir à la force. Nous avons pu trouver une autre option, la négociation. Nous avons permis la destruction partielle des stocks chimiques. Mais nous n'avons pas encore trouvé la solution politique. Dans l'attente des résultats des pourparlers sur le nucléaire iranien la semaine prochaine à Vienne et de la conférence de Genève en cours sur la Syrie, les deux hommes ont cédé à l'appel du grand dîner d'État, orchestré et dominé par la présence de Michel Obama. Devant les 300 invités, les deux chefs d'État ont redit haut et fort leur satisfaction de voir la confiance restaurée et l'amitié confortée. Vive la France! Et vive l'amitié entre la France et les États-Unis. Au deuxième jour de la reprise de la conférence de Genève 2, les pourparlers de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition n'avancent pas. Les différentes parties s'en rejettent la responsabilité. Les proches de Bachar al-Assad accusent l'opposition de vouloir gagner du temps. En fin de journée, le ministre de la Réconciliation nationale, Ali Haïdar, a exprimé les doutes des partisans de Bachar al-Assad.
Pas d'avancée précise dans les négociations de paix sur la Syrie qui se poursuivent mercredi avec les délégations de l'opposition et du gouvernement syrien sous l'égide du médiateur de l'ONU, Lakhdar Brahimi, qui doit rendre son rapport la semaine prochaine. C'est actuellement l'impasse, les deux délégations refusent de s'entendre sur un agenda de discussion. Les rencontres du début de la semaine ont été très laborieuses et le processus de paix ne décolle pas vraiment. Il aura fallu 6 mois pour arriver à faire sortir quelques centaines de personnes de Homs, ville assiégée depuis 2012. Les discussions doivent se poursuivre jusqu'à vendredi. Pour terminer, cette information émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, seule la direction de l'orientation et des examens de REX est habilitée à organiser les examens et concours d'entrée dans les grandes écoles publiques en relation avec les directeurs desdites écoles. Le ministère de l'Enseignement supérieur rappelle que les inscriptions en ligne se poursuivent jusqu'au 5 mars 2014 sur les sites dorexci.net ou dorex.edu.ci. Quant aux dossiers physiques, ils sont reçus à l'antenne de l'INPHB, sise à Cocody-Danga, près de la Cité Rouge, jusqu'au 11 mars prochain. Enfin, il est rappelé qu'ils n'auront plus à débourser 2000 francs pour l'achat des pochettes. La visite médicale ne sera exigée qu'après l'admissibilité aux épreuves écrites. Le ministère de l'Enseignement supérieur décline toute responsabilité quant aux sommes versées au titre de l'achat des pochettes et de la visite médicale avant les épreuves écrites. Voilà qui marque la fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.